بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله احق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والارحام <تصفيق> <تصفيق> إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقِه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هادي محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل موحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات حياكم الله الحمد لله كور 35 لو livre Péché الكتاب 35 Page 143. Les péchés amènent l'oubli et le mépris de l'âme. Oui. Les nous vont faire que tu vas t'oublier. Que tu vas t'oublier, voire même que tu vas mépriser ta propre âme. Les péchés font oublier à l'homme son âme et lorsqu'il l'oublie, il la néglige, il la corrompt et il la perd. Si on demande comment l'homme peut oublier son âme, c'est une question. Comment l'homme peut oublier sa propre âme S'il oublie son âme, de quoi se souviendra-t-il et que signifie oublier son âme Qui te dira ce que signifie oublier son âme Chiri va nous répondre. Hein Effectivement, à force de péché, ça c'est moi qui dis à force de péché, tu en viens à te détester. C'est pour ça que les chariotines les et les gens qui font le plus de mal, le plus d'injustice, le plus de péché, sont les gens qui sont dans la plus grande faiblesse au niveau de l'amour-propre, de l'estime de soi. Ils se méprisent en vérité. Et quand on parle des PN, là, ces sociopathes, ils font du mal, ils font du mal, ils font du mal, et on dit toujours, ils sont vides, ils se détestent, ils ne s'aiment pas, c'est pour ça qu'ils s'inventent un monde, etc. Mais pourtant, ils pataugent dans les injustices, ils pataugent dans les péchés. En vérité, vous voyez ce que ça amène, c'est ça ici, hein, la traduction de ça, ils se sont oubliés, ils ont oublié leur, ils ont oublié leur âme, ils l'ont laissée dans les ordures, et ils se méprisent. Ils se méprisent, ils méprisent leur propre âme, parce qu'ils l'ont négligée, ils l'ont corrompue, ils l'ont corrompu, perdue. Donc à ces questions-là, comment l'homme peut oublier son âme Et de quoi va-t-il se souvenir s'il a oublié son âme, sa propre âme? On peut répondre qu'effectivement l'homme oublie grandement son âme, et Allah Azujel le dit. Surat al hashr verset 19, dans le sens. Et ne soyez pas comme ceux qui oublient Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ce sont là les pervers. Tout est dit. Tout est dit, tout est clair. Ceux qui oublient Allah, ceux qui sont détournés du chemin d'Allah donc qui ont préféré le chemin du charitan des péchés, Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ce sont ceux-là les pervers. Lorsqu'ils ont oublié leur seigneur, dit le shir, il, subhanallah, les a oubliés et leur a fait oublier leur propre personne. Comme il dit, Subhana, surat ta'ouba, verset 67, dans le sens, ils ont oublié Allah, c'est pourquoi il les a oubliés. Allah, azzaujel, inflige à celui qui l'oublie deux châtiments. Deux. Le premier, c'est qu'Allah l'oublie. Mais en vérité, j'avais déjà dit ça. La traduction euh, de « Allah oublie », ce n'est pas correct. Et même chercher il en avait parlé, à Allah. Ce n'est pas l'oubli comme, en tout cas, nous on le conçoit. C'est pas une bonne traduction que de dire « Allah l'oublie ». C'est « Allah l'abandonne ». Mais dans un précédent cours de péché et guérison, il me semble, je l'avais déjà précisé ça. Donc inutile de refaire toute une grande explication. Plutôt « Allah l'abandonne »,« Allah le délaisse »,« Allah le méprise ». Mais « Allah n'oublie pas ». Ce pas un oubli comme nous on pense. Ah, oh, j'ai oublié. Non, c'est pas dans ce sens-là. Allah n'oublie rien. Hein? L'oubli, c'est une, euh, une bonne chose. Alhamdoulilah, que scène. justement, c'est la définition, c'est celui qui oublie. Ça nous permet d'oublier un certain nombre de souffrances, de, de, souffrance, de mots. Mais Allah n'a pas besoin de ça. Et l'oubli serait une imperfection dans ses attributs. Allah n'oublie pas, mais il va délaisser cette personne-là, sciemment, parce qu'elle le mérite. Donc. Allah inflige à celui qui l'oublie de châtiment Le premier est qu'Allah l'abandonne, je préfère. Et le deuxième est qu'il lui fait oublier sa personne. Tu sais, tu dis, il, il ou elle s'est oublié. Parce que pour patauger dans autant de péchés et faire autant d'aberrations, tu te dis, cette personne-là, elle s'est oubliée ou quoi Sa propre personne, elle a oublié les gens. Oui, bien sûr, le mal qu'elle fait, mais elle s'est oubliée, elle, dans sa dounia. Et, et là, quand elle va rendre ses comptes, quand tu vois des gens, certaines personnes vraiment euh, enchaîner les, les méfaits, pour moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Effectivement, je me dis, mais cette personne-là, s'est-elle oubliée elle-même, en fait Comment on peut se noyer à ce point-là Non, c'est ça, on est dedans. C'est l'excès de péché. L'excès de péché, ça mène à cela. Allah délaisse la personne, l'abandonne, et, euh, et fait que cette personne-là euh, s'oublie elle-même. « Qu'Allah ne nous abandonne pas, et qu'Allah fasse qu'on ne s'oublie pas nous-mêmes. » L'oubli d'Allah, donc, il dit le chir, consiste en son abandon. Vous voyez ce que je vous disais, tout simplement mais c'est l'expression oubli que j'aime pas. L'oubli d'Allah consiste en son abandon de l'homme, son délaissement et son égarement. Voilà. Ainsi la perte est plus proche de lui que la main n'est proche de la bouche. Et comment il est proche de la perte. Quant au fait qu'il fasse oublier son âme à l'homme, cela consiste en ce qu'il lui fasse oublier de lui accorder ce qui lui revient de plus élevé, ce qui amènera bonheur, succès, rectitude, et qui le parfaira c'est-à-dire que c'est une personne qui va pas oublier de faire du mal, et qui va pas oublier de se souiller, et qui va pas oublier de s'enliser, et qui va pas oublier de se faire du mal. Ça, elle a pas oublié. La personne ne va pas oublier ça, t'inquiète pas. Ça, il y a un, un agenda bien bien défini. Des gens, ils savent, ils savent vraiment se démener quand il s'agit de se faire du mal et de faire du mal. Mais l'oubli ici, quand on dit la personne oublie son âme, c'est qu'elle elle oublie ce qui est bon pour elle, en fait. Et elle oublie d'accorder à son âme ce qui lui revient de plus élevé. D'accord Donc la nourriture spirituelle, le rire, les bonnes actions, etc., ce qui va l'apaiser, ce qui amènera bonheur, succès, rectitude, et le parfera, fait wal echra. Ça, non. Il lui fait oublier tout cela, ce taala Et il ne fait pas venir cela à l'esprit de l'homme. Ne le fait pas sans souvenir. Ne dirige pas vers cela sa préoccupation et ne lui fait pas convoiter. Cela ne, vient, ne lui vient donc pas à l'esprit pour qu'il puisse le, convo le convoiter et le choisir. Donc, comme un, comme on dit, si par exemple, Allah ne te, ne te facilite pas faire el tu n'es pas attiré vers el tu n'y penses même pas. Alors que c'est une grande chose, la science. C'est une très grande chose pour la purification de l'âme, du cœur, pour l'apaisement, puis aussi pour avoir des informations bénéfiques pour ensuite agir et parler avec science. Comme on le sait, il n'y a pas de, 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 de parole normalement qui doit être prononcée et pas d'action sans science. Comme le rapporte Al-Boukhari. « la science avant la parole et l'action. Beaucoup de gens agissent malheureusement et parlent sans science. Donc, si la personne est comme ça laissée à elle-même et abandonnée d'Allah, Allah ne va pas lui faire venir à l'esprit, ne hein, va pas lui faire se souvenir et ne va pas diriger cette personne vers notamment cette science-là ou même vers la mention. Le dhikr. Pourtant, l'importance de la mention d'Allah, comme j'ai expliqué dans le cours précédent. L'importance de la mention d'Allah. Les invocations aussi. Imam al il disait bien Je me soucie pas de l'exaucement. Mon Seigneur va m'exaucer. D'une manière ou d'une autre. Hein? Moi, je me soucie de savoir s'il va m'inspirer l'invocation. S'il m'inspire de l'invoquer, je sais qu'il va m'exaucer. Hein? Et c'est ça qu'on doit se dire. Est-ce qu'Allah aujourd'hui nous a permis, nous a inspiré C'est vraiment le mot que je cherchais, Nous a inspiré de faire du bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ce jour, en ce jour, est-ce qu'Allah nous a fait nous souvenir nous souvenir du Vic, nous souvenir de la science, nous souvenir du Taouba, nous souvenir d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'Allah nous fait nous souvenir du bien Est-ce qu'Allah nous a dirigé vers ce bien Est-ce qu'Allah nous a donné l'envie de nous préoccuper de cela et nous, nous a fait convoiter cela Est-ce qu'Allah nous fait convoiter le jenna Ou est-ce qu'on s'est détourné de cela C'est la grande question. C'est lui qui est noyé dans les péchés, tu regardes sa préoccupation, c'est pas l'au-delà. Il ne se souvient pas de ça. Il n'est pas dirigé vers les œuvres salutaires. Il est dirigé vers le mal. Comment voulez-vous qu'il convoite et choisisse le bien alors Voilà, y vous, Billah. De même, Allah lui fait oublier les défauts en perfection et faute de son âme. Si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les faire disparaître et de les amender. Non, ça c'est terrible. Hein Un salaf disait, celui qui ne connaît pas ses défauts, il est idiot. Vérité, il est égaré et il a été, entre guillemets, oublié d'Allah, dans le sens il a été abandonné d'Allah. C'est terrible. Parce que des défauts... Je pourrais même pas vous citer la liste de mes défauts, elle est trop longue, mais je la connais par cœur. Et je travaille dessus. Ça, c'est déjà un rire. Hein? Toi qui m'écoutes, tu as tes défauts, tu as tes vices, tu as tes péchés, tu as tes penchants, tu as tes failles. Sans aucun doute. Tout comme moi. Et la liste est longue. Allah, on Quand Allah nous pardonne et nous guide. Mais avoir la conscience de ses défauts, de ses imperfections et de ses fautes, savoir ce qui ne va pas dans notre âme, c'est déjà un grand bien. Parce que, ensuite. On peut travailler dessus. On peut essayer de faire disparaître ça, ou du moins de corriger cela, de diminuer ça. De chercher euh, amende honorable, comme on dit. Hein, le chéri dit de les amender. Mais comment voulez-vous Comment, comment voulez-vous qu'une personne qui est noyée dans le mal, qui ne cherche pas le bien, ne fait même pas la différence, d'ailleurs, imaginez, entre le bien et le mal, le mal et le bien, et elle confond tout. Elle confond tout et elle ne baigne que dans le mal à la finale. Comment voulez-vous, comme on dit, qu'elle se remette en question C'est le déni, encore une fois, le déni des fameux sociopathes, des chariotines. Ils sont dans le déni total, ils ne se remettent jamais en question. Ils, euh, ils n'ont pas de défauts, ils n'ont pas la perfection. tout va bien. Ils ne se penchent pas dessus. Allah fait en sorte de les égarer à un point tel qu'ils euh, ne vont pas travailler, et pourtant, des défauts et des péchés et des manques, ils en ont, mais ils ne vont pas travailler sur tout ce côté nocif et toxique qu'il y a en eux. Au contraire, ça va croître. Alors que ces serviteurs bien-aimés, qui pourtant ont des imperfections, des défauts, par miséricorde et grâce, Allah va les mettre face à leurs responsabilités sans fuite possible, sans fuite, pas de déni, et va faire en sorte que ces serviteurs-là se remettent en question, justement, il n'y a pas de déni, et ils vont affronter l'erreur et vont essayer de travailler dessus. Et ça, c'est un grand bien, même si on a un tas de, de défauts, je vous dis, la liste de mes défauts est très longue, mais je les connais, je les connais. Et du coup, ça, ça c'est un, un bien, ça, c'est un bien, un bien qui n'est pas accordé à celui qui est noyé dans les péchés. Aussi, Allah lui fait oublier les maladies et souffrances de son âme et de son cœur, si bien qu'il ne vient pas à l'esprit de les soigner. Donc c'est lié au, au défaut, on pourrait dire, mais voilà défaut euh, plus profondément encore les maladies, les souffrances de l'âme, c'est-à-dire les, vraiment les vices profonds, les laideurs d'âme, les laideurs d'âme. Euh, pareil, celui qui en a conscience, Alhamdulillah, c'est la moitié du sauvetage, on va dire. Celui Annie, qui ne se souvient même pas de ça, il se croit parfait presque. Il ne voit pas la laideur qui émane de son de son âme. Eh bien jamais il va chercher à soigner ces maladies là. Et il ne tente pas de faire disparaître ces maladies qui le conduisent à la corruption et la perte. Il est donc totalement meurtri par la maladie, et sa maladie le conduit à la destruction, sans même qu'il n'ait idée de sa maladie et ne soucie de la soigner. Wallah, il n'a pas conscience du danger. Il n'a pas conscience du danger, celui là. Et il n'a pas conscience de la maladie qui le ronge. Il ne se soucie donc pas du soin à prodiguer. À la différence de celui qui sait très bien qu'il est vraiment bancal, qu'il a, qu a un, vraiment une, une faiblesse, quelque chose, il sait, ben il lutte, il lutte, il lutte, il lutte. Oui, il tombe, il tombe souvent, mais il lutte sur cela. Et encore une fois, la conscience, la conscience. Même quand on fait des péchés, cette conscience qui nous tiraille lorsqu'on pêche, c'est une rahma, c'est une miséricorde. Imm immense. Il y a des gens, écoute bien, hein, wallahi, il y a des gens, ils font du mal, ils sont dans des maladies de l'âme énormes, ils vont vers la destruction, mais ils n'ont pas idée de ça. Imaginez, ils n'ont pas idée. Tu sais, ils planent totalement. Tout va bien Non, tout va mal. Tout va très mal. Mais ils n'ont même plus conscience de ce mal là, c'est la grande perte. Chiril dit rahmo Allahou c'est un des pires châtiments collectifs et individuels. Est-il un châtiment plus grand que celui qui néglige son âme et la perd, oublie ses intérêts, sa maladie et son remède, et les moyens de parvenir au bonheur, à la réussite et à la vie éternelle dans les délices permanents Imaginez, tu connais pas le chemin du paradis. À la différence d'un pêcheur lambda qui lutte contre son âme mais qui sait où est le chemin de l'enfer, où est le chemin du paradis. Donc ils se situent, vous voyez. Il y en a, ils pensent même aller vers le paradis alors qu'ils se dirigent tout droit vers l'enfer. Imaginez. Ils sont vraiment en chute libre vers l'enfer, et pourtant, tout va bien. Tout va bien. Ils ne connaissent pas, Yanni, la définition du bonheur, de la réussite. Hein ils n'ont pas cette notion-là. D'accord Ils oublient. Ils oublient, complètement, euh, ils oublient complètement les choses. Ils mélangent même les choses. Ça, c'est un grand châtiment. De, de négliger, de perdre son âme à un point tel, voilà, où... Euh, où on ne sait pas par exemple que le vicre est un remède pour le cœur, que le vicre c'est un remède pour le cœur, que la lecture du cours de haine c'est un remède, que le jeûne c'est un remède, que la science c'est un grand remède. Tu ne sais pas cela. Comment tu vas te diriger vers cette chose-là qui va te faire parvenir au bonheur, à la réussite, au bien Impossible. Impossible. Donc tu vas te diriger ce vers quoi ton âme bestiale t'appelle, donc tout ce qu'il y a de plus mauvais, et tu te diriges vers l'enfer, mais en toute insouciance. Quel immense châtiment qu'Allah Azogène nous en préserve. Celui qui médite sur ce point constatera que la plupart des hommes ont en réalité oublié leur âme, l'ont perdu et privé d'Allah, ils l'ont vendu pour un vil dans une transaction où ils ont été trompés. Mais cela ne leur apparaîtra qu'au moment de la mort, de manière éclatante au jour de la grande perte, la résurrection, lorsque l'homme réalisera qu'il a été trompé dans le contrat qu'il a signé pour son âme en cette demeure et le commerce qu'il en a fait pour l'au-delà car tout homme commerce en cette vie pour l'au-delà. Tout homme. Après, il y en a qui font un bon commerce et d'autres qui font mauvaise négoces, Clairement. Et il y a des gens, voilà, ils ont été vraiment perdus, trompés, privés, mais je vous dis vraiment, ils planent. Ils sont dans une insouciance totale et ils sont dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion, mais ils seront bientôt. Ils seront bientôt au moment de l'agonie et encore plus au moment du rassemblement. Les grands perdants sont ceux qui pensent réaliser profit et gain, qui achètent la vie d'ici bas, et ne se consacrent qu'à elle et à ses délices. Sans limite, hein. Sans penser à l'au-delà. Au prix de l'au-delà et de ce qu'elle comporte. Qui consument leur bien en ce bas-monde, sans délecte, sans satisfont, et sans contente, et dont l'effort ne consiste qu'à en obtenir davantage. Ils ont donc cédé, acheté, commercé et vendu l'au-delà pour ce bas-monde, préféré un gars préféré un gain content, ici et maintenant donc, mais faible, à un profit à terme, et à un grand profit, l'immense profit. Il est même pas quantifiable. Une marchandise présente, donc, à une autre à venir. Une ville marchandise, je rajoute présente, à une autre exquise à venir. En disant, c'est là la sagesse. C'est-à-dire, prends ce qui a à prendre et maintenant. L'un d'eux a dit, prends ce que tu vois et laisse ce dont tu as entendu parler. Donc, prends la dounia et le paradis, euh, qu'Allah nous l'accorde. Puis, il y a des gens, ils font rien, aucun bien et tout le mal. Mais à la finale, quand ils clôturent les conversations, ils vont dire, ah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde le paradis. C'est quel égarement, ça? C'est quel égarement? Tu ne fais aucun effort. Et il dit ces gens donc prends ce que tu vois laisse ce dont tu as entendu parler Comment vendrais-je une chose présente au prix comptant en cette vie pour une chose absente payable à un terme en une demeure autre que celle-ci C'est il ne voit que par dounia S'ajoute à cela la faiblesse de la foi la force des désirs l'amour de ce bas monde et l'imitation des semblables Ainsi la plupart des hommes sont en ce commerce perdant dont Allah a dit de ceux qui le pratiquent surat Al-Baqara verset 86 dans le sens voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Aussi dans le verset 16 de la même Sora, leur négoce n'a pas été bénéfique et ils ne sont pas bien guidés. Au jour de la grande perte, la tromperie de ce commerce leur apparaîtra et les âmes en seront brisées de désespoir et de regret, mais ce sera trop tard. Quant à ceux qui gagneront, ce sont ceux qui auront vendu ce qui est éphémère pour ce qui est éternel, ce qui est vil pour ce qui est précieux, ce qui est méprisable pour ce qui est immense, et qui auront dit Quelle est la valeur de ce bas monde, de son commencement à sa fin, pour que nous vendions pour lui notre part d'Allah et de l'au-delà Aussi, que dire de ce qu'en obtient l'homme en ce temps court, sa vie, qui est en réalité semblable qu'à une somme, hein, un somme, pardon, qu'à un somme, une sieste, quoi. Hein. Un, un songe sans aucune valeur face à la demeure éternelle. Cette vie, ce qu'elle représente, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil. Allah, subhanallah, dit surat Yunus, verset 45 dans le sens « Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure du jour et ils se reconnaîtront mutuellement. » Donc le jour du rassemblement, c'est comme si on n'avait passé sur terre qu'une heure. Une heure. Une heure, simplement. Ils t'interrogeront, surat el nazi'at, versets 42 à 46, dans le sens, ils t'interrogent au sujet de l'heure, c'est-à-dire du jugement. Hein. Quand arrivera-t-elle Quand sais-tu pour leur dire Sa date n'est connue que de ton Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'une soirée ou une matinée. Pour vous dire, hein, vraiment, la courte existence de l'homme. Un rappel donc par rapport au plaisir à avoir, si court, si éphémère, si vil, et par rapport aussi aux épreuves, aux difficultés. Au final, c'est très court. Au final, c'est très court, on peut supporter cela. Surat al-Ihqa'af dans le sens du verset 35, Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils sont restés sur terre, qu'une heure du jour, c'est un message clair. Surat al muminun verset 112, 114, dans le sens. Il leur demandera Combien d'années êtes-vous restés sur terre Ils répondront Nous y avons demeuré une journée ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui ont fait les comptes. Il dira Vous n'y êtes restés que peu de temps si vous saviez. Surtaha, verset 102 et 104 dans le sens Le jour où on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux Vous n'êtes restés sur terre que dix jours. Nous savons parfaitement ce qu'ils diront, et le plus droit d'entre eux dira vous n'êtes resté qu'un jour. Ce sera, dit le shir la, la réalité de ce bas monde lorsque surviendra le jour de la résurrection, c'est-à-dire rien. Lorsqu'ils réalisent le peu de temps qu'ils y demeurent et qu'ils auront une demeure autre que celle-ci, est la demeure véritable et la demeure éternelle, ils constatent alors la grande tromperie qui est la vente de la demeure éternelle pour la demeure éphémère. Là, ils comprennent là. Ainsi, ils commercent à la manière des gens avisés et ne sont pas trompés par le commerce des sots. Au jour de la grande perte leur apparaîtra le gain de leur commerce et la valeur de ce qu'ils ont acquis. Tout homme en ce bas monde vend et achète et commerce. A nous de commercer de la meilleure des manières. Rapporté par Muslim, tout homme se lève et fait commerce de son âme. Certains la franchissent de l'enfer et d'autres la perdent. Surat al-Tawbah verset 111 Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent sur le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse véridique qu'il a fait dans la Fawrah et l'Injil et le Qur'an. Et qui mieux qu'Allah tient sa promesse Réjouissez-vous du commerce que vous avez fait et c'est là l'immense succès. C'est là le premier prix de ce commerce. Alors, c'est le shirk qui dit ça. Hein, c'est là le premier prix de ce commerce. Alors, commercez au vous qui êtes sans le sou, au toi qui ne peux acquitter de ce prix. Le paradis ne s'achète pas à un prix, hein. Il en est un autre, alors, si tu fais partie de ce commerce, acquis en le prix. Sur la Taouba, verset 112, le suivant. Ceux qui méritent cette promesse sont ceux qui se repentent. Qui mérite donc la promesse d'Allah d'avoir et unir ce paradis en l'échange d'eux Ce sont ceux qui se repentent, qui adorent Allah, le loup, parcourent la terre, s'inclinent et se prosternent, ordonnent le bien, interdisent le mal et observent les lois d'Allah et font bonne annonce aux croyants. Qui sont donc les croyants Qui reçoit la bonne annonce Ceux qui quoi qui pêchent, bien évidemment, puisqu'ils sont pêcheurs. Bani Adem sont tous pêcheurs. sont ceux qui se repentent de leurs fautes. Ceux qui adorent Allah. Ceux qui le louent. Ceux qui parcourent la terre. Ceux qui s'inclinent, se prosternent, donc font la salat. Ceux qui ordonnent le bien interdisent le mal. C'est une obligation. Et ceux qui observent les lois d'Allah, qui suivent les commandements comme ils peuvent, autant qu'ils peuvent. Et fait bonne annonce aux croyants. Aux vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux Croyez en Allah et son messager et combattez avec vos biens et vos personnes sur le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Surat versets 10 et 11 dans le sens. En somme, dit le cher Rahmallah Ta'ala, les péchés font oublier à l'homme sa part de ce commerce. Profitable. En l'occupant par différents moyens par un commerce perdant. Quelque chose de vil, d'instantané, de misérable. C'est là un châtiment suffisant qu'Allah nous vienne en aide. Voilà pour ce chapitre et sur l'oubli de l'âme. On va continuer avec le chapitre suivant, le chapitre 53. Les péchés font disparaître les bienfaits. On sait que si on est reconnaissant, et donc, c'est quoi la reconnaissance C'est pas juste dire Oh merci Allah, oh, Alhamdulillah. Il y a des gens comme ça. Allah leur donne des bienfaits ils disent Alhamdulillah, mais ils ne font que désobéir. C'est pas là la reconnaissance. Si tu étais reconnaissant, tu aurais été obéissant. Notez-le cela ou imprimez-le en tête. Reconnaissance dans le c'est obéissance. C'est lié à l'obéissance. Bien, Les péchés sont donc des désobéissances. Ils font ici disparaître les, les bienfaits. Les bienfaits grandissent, s'accumulent, se rajoutent s'il y a l'obéissance, s'il y a les bonnes actions. Allah t'a donné des bienfaits il va te rajouter. Par contre, Allah peut tu retirer tes bienfaits là par rapport à quoi Par rapport à un péché ou des péchés que tu aurais commis. Donc les péchés font disparaître les bienfaits existants et empêchent la survenue des bienfaits à venir. Certes. On ne préserve pas mieux les bienfaits d'Allah existants. Et on ne provoque pas mieux la survenue des bienfaits manquants qu'en lui obéissant. Vous voyez Je vous le disais encore une fois. La reconnaissance est liée à l'obéissance. On ne préserve pas mieux les bienfaits d'Allah qui sont là, ici et maintenant, et la venue de ceux à venir, inshallah. Qu'en lui obéissant. Car on ne peut parvenir à, à ce qui est auprès de lui qu'en lui obéissant. Tout est entre la, la main d'Allah. Comment veux-tu, Yani qu'Allah te laisse le rire et te rajoute du rire si tu ne lui obéis pas? Allah Azogel a établi pour toute chose des causes amenant sa survenue ou sa disparition. Ainsi, il a fait de l'obéissance qu'on lui voue une cause de survenue de ses bienfaits. Hein, et de maintenu aussi des bienfaits et aussi de la désobéissance qu'on lui oppose, une cause empêchant la survenue de ses bienfaits et le, le retrait de ces derniers. Si Allah Azogel veut préserver les bienfaits de son serviteur, il lui inspire de les préserver en lui obéissant à travers eux. Et s'il veut les faire disparaître, il l'abandonne jusqu'à ce qu'il lui désobéisse à travers eux. Cela nous compte parmi la première catégorie. Il est étonnant donc de constater que l'homme est au courant de cela, l'homme sache cela, le voit en lui, et d'autres, on le voit ça, on voit que les désobéissants, ils perdent. On voit que nous aussi, on a désobéi, on a perdu. On le voit. On voit, Yanni, il est étonnant aussi que l'homme entende parler de ceux qui ont perdu les bienfaits d'Allah en lui désobéissant, mais qu'il persiste malgré tout dans la désobéissance à Allah, comme s'il faisait exception à la règle et que cela frappait les gens, mais pas lui. Encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu désobéis et Allah ne te retire pas tes bienfaits. Méfie-toi, le châtiment est à venir. Méfie-toi, le châtiment est à venir. Plus douloureux que tu l'imagines. Hein? Les gens voient, c'est l'insouciance encore une fois, les gens voient en, en, en eux-mêmes de ce qui a pu se passer avant, ou bien sur les gens, en les gens comme ça. Tu vois, ils ont désobéi, ils ont tout perdu. Et pourtant, ça ne freine pas les gens dans la désobéissance. Comme si ça n'arrivait qu'aux autres. Est-il une plus grande injustice envers l'âme que celle-ci? Est-il une plus grande injustice euh, que, que cette chose-là envers, envers l'âme? Est-il une plus grande ignorance que celle-ci? Hein et l'ignorance sera forcément liée à l'injustice. Parmi les mots les plus grandes calamités, d'ailleurs Ibn Qayyim, je crois qu'il le dit, une chose que j'ai postée également. Oui, c'est Ibn Qayyim dans son livre Miftah Dar uh, Il dit rahmatullah alayhi l'ignorance donne donc c'est pour ça que j'ai vu le mot ignorance, ça m'a rappelé cela, le gel ça mène à énormément de mots et croire. L'ignorance, ça mène à la désobéissance, ça mène au péché. On va voir un certain nombre euh, de choses. L'ignorance donc donne les pires fruits qui soient. Pires fruits possibles. La mécréance, les vices, le shirk, l'injustice, l'iniquité, l'agression, l'oppression, l'inquiétude, l'ingratitude, l'empressement, l'inconstance. La violence, l'abomination, l'obscénité, l'avidité et l'avarice. Voilà ce qu'il cite le chien Rahman. Allah. Tout ça, ça découle de quoi De l'ignorance. Parce que quelqu'un qui a une certaine science, et on sait que la science bénéfique, c'est celle qui est mise en application, celle qui purifie le cœur, celui qui a une certaine part de science, ne sera pas forcément dans une mécréance, mais aura une croyance correcte, sera croyant. Ses vices, s'il en a, il va les combattre. Le chien, il en est éloigné. L'injustice, il s'en garde. L'iniquité aussi. Il s'efforce d'être équitable. L'agression aussi, il ne commet pas l'homme comme ça. Il n'oppresse pas et il n'est pas inquiet. Il a la poitrine apaisée. Il n'est pas ingrat, il est plutôt reconnaissant. Il ne s'empresse pas car il est sage. Il n'est pas inconstant, il est plutôt stable. Il n'est pas dans la violence mais dans la retenue. Il n'est pas dans les abominations et l'obscénité ni l'avidité ou l'avarice parce qu'il est généreux, parce qu'il est calme, parce qu'il est sain, parce qu'il n'est pas pervers tout simplement. Et parce qu'il ne fait pas d'horreur. Parce qu'il a une âme, en tout cas. Autant que faire se peut, purifier. Tout ça quoi Celui qui a de la science. Encore une fois, accourez à l'ilm. Très important. La science, regardez les fruits de la science. Et regardez à côté de ça les fruits de l'ignorance. Wallahu alam wa Donc voilà pour ce chapitre 53. Il était assez court sur la disparition des bienfaits via les péchés. Je vais faire le chapitre 54 maintenant. Les péchés éloignent les anges. Les péchés éloignent de l'homme son allié. La créature qui lui est la plus profitable et la plus sincère. Celui dont la proximité comporte le succès, qui est l'ange chargé de lui. Pas tous un ange comme ça. Les péchés, forcément, vous doutez bien, ça n'attire pas les anges. C'est comme les mauvaises odeurs. Ça les repousse. Au contraire, on l'a vu dans le cours précédent, les péchés, quoi Attirent le shaitan. On donne des armes à l'ennemi via le péché. Et ça repousse l'ange. Au contraire, donc les péchés rapprochent de lui son ennemi, la créature qui cherche le plus à le tromper et qui est le plus nuisible, Shaitan. Car si l'homme désobéit à Allah, l'ange s'éloigne de lui à mesure de cette désobéissance. Au point qu'en raison d'un seul mensonge, un seul mensonge, hein, il s'éloigne de lui d'une distance immense. Imaginez le nombre de péchés qu'on peut avoir, le nombre de choses qu'on peut faire, voilà, à quelle distance l'ange s'éloigne de nous. Et à quelle proximité Shaitan est à ce moment-là Il est rapporté si l'homme ment, l'ange s'éloigne de lui d'une distance d'un mille en raison de son odeur pestilentielle. Ceci dit, le hadith est faible. Mais de manière générale, on sait que les péchés éloignent l'ange. Donc le sens est juste. Si l'ange s'éloigne de la sorte en raison d'un seul mensonge, alors combien s'éloigne-t-il pour ce qui est pire et plus vil encore Imaginez les gens, il y a un ils baignent dans la fornication, ils baignent dans le vol, ils baignent dans le meurtre, ils baignent dans un certain nombre de choses. Où sont les anges Où sont les anges On pourrait dire entre guillemets, il y a des années-lumière de la personne. Et où est le shaitan Juste à côté, sur ses genoux. <laughs> Nam. Un pieux prédécesseur a dit, justement, c'est lié à la, à la fornication lorsque le sexe pénètre le sexe, c'est-à-dire dans la zina, dans l'illicite, lorsque le sexe pénètre le sexe, donc celui de l'homme dans celui de la femme, la terre hurle vers Allah. Les anges fuient vers leur Seigneur et se plaignent de la gravité de ce qu'ils ont vu. Pensez qu'il reste Vous pensez qu'il reste, Vous pensez qu reste Déjà, conséquent, il y a la fornication, la foi sort du corps et est en suspens. Et elle regagne le corps si un lit, la personne après retrouve sa, sa raison, sa conscience et se repent. Imaginez. Où est l'ange à ce moment-là Où est l'ange Auprès d'Allah. Il vient hurler vers Allah, la terre également. Et l'ange fuit et se plaint de ce qu'il a vu car c'est grave. Qui est là à ce moment-là? Le shaitan, encore une fois. Un autre Salaf a dit Au matin, l'ange et le démon se pressent vers l'homme. S'il mentionne Allah, s'il le glorifie, le loue et célèbre à son unicité. L'ange chasse alors le démon, et dirige l'homme donc vers le bien. Mais s'il débute sa journée autrement, par le péché, les futilités, etc., alors l'ange s'éloigne de lui, et c'est le démon qu'il dirigera aujourd'hui. Shir dit donc l'ange ne cesse de se rapprocher de l'homme jusqu'à le dominer. Et ainsi les anges le prennent pour allié dans sa vie au moment de sa mort et à sa résurrection. Dans sa vie, il est guidé par les anges. Okay. Au moment de sa mort, c'est les anges qu'il récupère, les anges de la miséricorde, et à la résurrection, il sera aussi assisté d'anges. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, surat al-fusilat, versets 30 et 31, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se maintiennent dans la droiture, les anges, au moment de la mort, descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez point infligés. Mais recevez la bonne annonce du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés dans la vie présente et dans l'au-delà. Imaginez. Les anges qui t'annoncent ça, qui t'ont soutenu ici-bas et qui viennent ici récupérer ton âme et un paradis t'est promis. Imaginez. Et il dit, hein, euh, Allah, que les anges diront N'ayez pas peur, ne soyez point infligés pour rassurer cette âme terrorisée justement par l'agonie et la vision de l'au-delà. Et il mêle, el euh, yaqin à ce moment-là, l'œil de la certitude. Aïn el yaqin. Si l'homme, donc, il est dirigé par l'ange, c'est par la créature la plus sincère, la plus utile et la meilleure pour lui. Ainsi, il l'affermira, lui enseignera, renforcera son cœur et le soutiendra. Allah Ta'ala a dit, certes, surat al-Anfal, verset 12, « Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc ceux qui ont cru. <laughs> » L'ange est une cause de raffermissement de la poitrine sur la vérité. Et l'ange lui dit au moment de la mort, « Ne crains rien, ne t'attriste pas et reçois la bonne annonce. » de ce qui te réjouit. Il l'affermit donc d'une parole ferme au moment où il en a le plus besoin en ce bas monde, au moment de la mort, au moment, et à nous, dans la tombe, il va être interrogé aussi, par les deux anges, Monkar et Nakir. Rien n'est donc plus utile à l'homme que la compagnie de l'ange, son ange chargé de lui, qui est son allié dans son éveil, et dans son sommeil, dans sa vie, et au moment de sa mort, et dans sa tombe, et sa compagnie aussi dans sa solitude. Quand il est seul, l'homme, il a son ange, son compagnon, D'isolement, c'est lui qui lui parle en secret. C'est lui qui lui parle en secret. Ton ange te parle en secret. Celui qui combat son ennemi, son diable, le protège et le soutient contre lui. Il lui promet et lui annonce le bien et l'encourage à croire en la vérité. Ainsi qu'il est rapporté dans le récit attribué au prophète sallallahu alayhi wa et aux compagnons, l'ange et le démon disposent d'une voix dans le cœur du fils d'Adam. L'inspiration de l'ange consiste à encourager au bien et à la foi en la promesse d'Allah. Et l'insufflation du démon consiste à encourager au mal et à renier la vérité. Ça, c'est rapporté dans le Sahir al -Thermidi. Imaginez donc, hein, il faut vraiment fermer les yeux et se projeter. On ne peut pas visualiser le raïb, l'invisible, mais se projeter. C'est de manière métaphorique comme ça. On imagine, sans le représenter bien évidemment, qu'il y a cet ange-là à proximité et ce démon. Quand on sent Yanni qu'on a des, des insufflations comme ça à aller vers le mal et à renier le haq et à faire n'importe quoi, on sait que c'est le démon à ce moment-là qui a une emprise sur nous. Et quand Yanni on est inspiré dans le rire, on a envie de faire le bien et la foi comme ça monte et grimpe dans le cœur et on croit en la promesse d'Allah et on est vraiment, on vit, on ressent le tawhid, etc. Bref, on est dans le rire. Ici c'est l'ange, l'ange qui vient inspirer cette chose-là, l'ange qui protège, l'ange qui soutient, l'ange qui promet, l'ange qui annonce, l'ange qui encourage. À croire en Allah, à la vérité. Alhamdulillah. Et on ressent ces deux états. Bah, sachez qu'il y a cet ange-là et il y a ce démon-là, hein, à côté de l'homme. Si la proximité de l'ange s'accentue, il parlera par sa voix et lui inspirera des paroles justes. Mais s'il s'éloigne et que c'est le démon qui se rapproche de lui, c'est alors lui qui parlera de sa voix et lui inspirera des paroles mensongères et obscènes. Et jusqu'à ce qu'on voit l'ange ou le démon parler par la voix de cet homme. Jusqu'à ce qu'on voit Yannick, c'est l'ange qui parle et le démon qui parle par la voix de cet homme. Quand tu entends des gens, quand tu entends des gens, même publiquement, hein, à même pas citer des noms, mais avec Internet, on voit tellement de sottises. Ou même pas qu'Internet dehors, ce que vous voulez. Mais quand tu vois des gens parfois parler. Quand tu vois des gens parler. On m'a envoyé un, un, un audio là dans, dans WhatsApp. C'est une personne victime d'un PN. Donc d'un diable, hein, très clairement. Qui m'a dit cette personne-là, je vais même pas dire qui c'est ou quoi que ce soit. Préserver son anonyme, son anonyme, là, son anonymat pardon, puis son cas et tout. Et donc j'écoute l'audio, me dit j'ai porté plainte, me dit j'ai porté plainte contre cette personne parce qu'elle me faisait des menaces. Je dis ah d'accord. Et me dit regarde les audios que cette personne-là m'a envoyé. J'ai écouté. Si vous saviez le, le, le comment dirais-je. Le dégoût que j'ai eu à entendre cette chose-là, et si vous saviez la la, la profondeur, la profondeur de, 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 de l'obscénité, même du blasphème et de la méchanceté et de l'horreur qu'était euh, Yanni euh, proférée sur cette euh, langue-là. Des propos vraiment très graves. Même cette personne-là se rend même pas compte de ce qu'elle dit. Elle insulte, elle menace de mort et après elle dit « Wallahi l'arbi ». Incroyable. C'est pour vous dire, jamais croire les hypocrites, jamais croire les démons. Ils sont capables de jurer par Allah une chose fausse. Ah, comme la chétana que j'ai connue qui, une fois, me disait Oxymobilla. C'est drôle. Elle a appris un mot, elle est contente, elle ressort. Oxymobilla, elle est contente. Et c'est tout. Elle dit Oxymobilla, mais elle ment. Oxymobilla, mais la perversité. Incroyable sont des gens comme ça, c'est. Bon, sur Internet, on ne citera même pas non nom, mais vous connaissez les énergumènes, les gens comme ça qui insultent à longueur de journée, qui si, qui, qui ça. Qui... Non Tu sens. Tu sens vraiment euh, euh, que c'est le démon qui parle à travers cette personne-là. De l'autre côté, quand tu vois une personne dire ni des paroles sages, des paroles douces, des paroles de vérité, tu sais alors que c'est l'ange à ce moment-là qui lui inspire euh, ces paroles-là. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Et pourtant, qu'Allah m'en soit témoin, je le dis et je le pense de moi. Je suis qu'un minuscule, ridicule, ridicule et, et, et profond, pervers en vérité, dans le sens que je dis ça. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'exceptionnel et de purifié. C'est dans ce sens-là où je le dis. J'essaye de faire des efforts et je lutte contre mon âme. Et cette lutte-là, comme vous le savez toutes et tous, est difficile. Mais je l'ai toujours dit. Ça, c'est une chose que je ne peux m'attribuer. À chaque fois que j'ai pu faire un cours et dans les fois où j'ai pu donner les meilleurs cours, notamment même quand je parle du théoride et les gens ils, ils comprenaient pas quand je voulais dire ça et ni l'explication est dans ce cours là. J'ai toujours dit je suis pas un soufi moi, je suis pas un soufi c'est pas une inspiration parce que j'ai pris de la drogue ou j'ai pas fumé de la drogue, euh, je raconte pas n'importe quoi, ce que je dis ça corrobore avec le Kitab al mais ce n'est jamais préparé. Et je l'avais déjà dit, parfois, je ferme les yeux et je me mets à vous parler pendant un quart d'heure et je vous fais une leçon sur le théorie, etc. Et les propos sont fluides comme ça. Et après coup, on me dit, est ah, ce cours-là, j'ai bien aimé ce que tu as dit, mashallah, al-haq, etc. Moi-même, je me rappelle presque plus, en fait. C'est-à-dire que ça sort comme ça. Je comprends, en fait, en vérité. C'est moi qui parle, mais c'est pas moi, c'est l'ange, en fait. C'est l'ange qui parle! De la même manière, à mon avis, quand je dis, excusez-moi l'expression, mais un paquet de conneries, et quand je m'énerve, et quand je raconte n'importe quoi, et quand je deviens injuste, et ça, ça m'est arrivé dans ma vie, et quand qu'Allah fasse que ça arrive de moins en moins, et même plus du tout, parce que parfois on, on a des excès, on fait n'importe quoi, en tout cas par le passé ça m'arrivait beaucoup plus, clairement que c'était un démon. Donc quand tu vois des gens raconter n'importe quoi, être agressif, méchant, odieux, sachez bien qu'à ce moment-là c'est un diable qui parle à leur place ce qui ne dédouane pas les gens de leur responsabilité, et dans le bien et dans le mal. Oui, c'est l'ange qui t'insuffle, oui, c'est l'ange qui parle à ta place à ce moment-là lorsque tu prononces le bien, Hamdelila, mais c'est avec ton libre arbitre que tu t'es mené ici. De la même manière que quand tu, quand tu profères des, des insanités, des paroles mensongères obscènes, oui, c'est le diable à ce moment-là qui te possède, mais tu t'es mis ici de ton plein gré, hein. Le libre arbitre, hein, la personne est responsable et mérite ce qu'elle fait à ce, mo ce moment-là. Mais euh, voilà, cette, expli cette explication-là ne va pas chercher plus loin. À, à chaque fois que ça s'est passé de cette manière-là, ça n'a jamais été quelque chose de calculé, et c'est pour ça que même j'arrivais jamais à m'en attribuer tout, tout le mérite, on pourrait dire, dans le sens où euh, ça sort, euh, ça sort tout seul en fait. Je saurais pas vous expliquer. Et je l'avais dit, ce mot-là, c'est une sorte d'inspiration à ce moment-là. C'est pas préparé, c'est pas si, c'est pas ça. Je ne lis pas un texte. Je pars, je pars, je dis, je dis, je dis. Et on me dit après quoi ce texte-là ou ce audio-là. Plutôt il a touché mon cœur. Ça m'a, ça m'a percuté. Il y a quelque chose. C'était vraiment euh, profond. Je dis ah non. Nah, ok. Je mais je m'en rends pas vraiment compte en fait. Donc je comprends, je comprends et je vous explique pourquoi aussi maintenant et vous aussi ça doit être ça. Hein, parfois hein, on parle, on dit de, de bonnes paroles comme ça. Sachez que c'est pas un démon à ce moment-là, mais c'est un ange en vérité, qui, qui parle. Hein, qui, qui lui parlera de sa voix et lui inspirera donc, de bonnes paroles. De la même manière que ça peut être le démon. Hein. Jusqu'à ce qu'on voit l'ange ou le démon qui parle par la voix de cet homme. C'est puissant comme parole, ce que dit le chien C'est l'ange, imaginez un ange, qui, qui parle, mais par ta voix. Il utilise ta voix, ta langue, mais c'est lui qui parle. Ou alors c'est un démon. Je ne sais pas si vous imaginez. La proximité, c'est plus il est à côté de toi, il est en toi. Subhanallah, Subhanallah. Il est dit dans le hadith, et en vérité ce sont des propos qui sont attribués à Ali, plus justement, la quiétude parle de la voix de Omar. La quiétude parle de la voix de Omar. Un homme pouvait entendre une parole pieuse d'un homme et dire, c'est l'ange qui te l'a inspiré. Tu as dit de la piété là, c'est l'ange qui te l'a inspiré. Et on pouvait entendre le contraire du mal et dire, c'est le démon qui te l'a inspiré on le voit ça vous voyez les, les mains quand il parle c'est clairement l'influence des anges et quand on voit les, les démons humains là comme ça parler et, et dire tout un tas de mauvaises choses ça se ressent ça se ressent et Annick il y a le démon je vous ferai pas bah, écouter bien sûr l'audio qu'on m'a envoyé ce soir mais il m'a vraiment choqué si vous saviez le le ah ouais, la profondeur satanique, l'aura satanique et l'odieux ne duraient pas plus que de, de 15, 20, 30 secondes, hein, quelque chose comme ça, vraiment pas grand chose. Mais si vous saviez combien il mal à l'aise juste de l'écouter si peu de secondes, c'était. Wallah, oh ils ont dit on ne même pas à un être humain. Il, il criait, il hurlait comme ça, il disait que le mal et tout. La, la haine, vraiment, un démon, un démon. Il n'y a pas d'autre mot et qu'Allah préserve cette personne-là du mal de ce démon et qu'Allah lui brise le dos à l'autre. Non. Donc c'est ça, c'est cette influence, voire possession, à ce moment-là. Ainsi l'ange inspire la vérité dans le cœur et sur la langue, et le démon inspire le faux dans le cœur et sur la langue. Voilà, interne et externe. À se ressentir en toi et sur toi. Ce qui va, en tout cas, ressortir de toi, en fonction de l'influence prédominante de l'ange ou du démon. Les péchés, revenons à notre cours. Et... Euh au thème les péchés dans tout cela, eh bien ils éloignent l'homme de son allié dans la proximité. La compagnie et l'alliance duquel réside son succès. De même qu'il le rapproche de son ennemi dans la proximité, l'alliance duquel réside son malheur et sa perte. Voilà. Donc les péchés te pousseront à dire un maximum de faux, de ressentir un maximum de faux en ton cœur et sur ta langue. Ceux qui disent le plus de mal avec leur langue sont ceux qui ont le plus de péchés. Ceux qui disent le plus de bien avec leur langue, très clairement, ils ont été assistés par un ange. Donc ce sont ceux qui font le moins de péchés. C'est QFD, c'est hyper logique. C'est pas possible qu'une personne prononce du bien toute la journée, mais soit délaissée par l'ange. C'est pas possible. Si bien que l'ange, il défend l'homme et le protège lorsque l'insensé se montre obscène et vulgaire envers lui. Comme il est rapporté, deux hommes se disputèrent devant le prophète, et l'un se mit à insulter l'autre, qui lui est resté silencieux. Puis il eut des propos par lesquels il répondit à son opposant. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva. Pas avant. Et là, il s'est levé et lui a dit, « Ya Rasulallah, lorsque j'ai répondu à certains de ses propos, tu t'es levé. Pourquoi ?» Il a répondu, « L'ange te défendait ?» Quand tu ne répondais pas. « Mais lorsque tu lui as répondu, le démon est venu. Et je ne m'assois pas avec le démon. » C'est rapporté dans as cest C'est-à-dire, quand on nous insulte, on nous enseigne quoi ici C'est dur, hein <laughs> Réponds pas. Réponds pas. C'est l'ange qui répond à ta place, qui te défend. Si tu réponds par l'insulte à la personne, et on le sent ça quand hein, quelqu'un nous nous insulter, nous a piqué, et on réplique, est-ce qu'on se sent apaisé Non. C'est le démon qui vient répondre à ta place. Le démon est venu. Non, mais éloigne l'ange de ta personne à ce moment-là. On se sent pas bien en vérité. On se sent pas bien. Ouais, on a répliqué, ouais, on a créé. Mais en vérité, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. On sent la colère qui nous possède, on sent la proximité du château à ce moment-là, même si on n'est pas en tort de base. Donc, lorsque le musulman invoque en faveur de son frère aussi, en son absence, l'ange dit Amin. L'ange dit Amin. Lorsqu'on invoque pour une personne à distance, l'ange dit Amin, qu'Allah exauce donc, à son invocation. Et il dit donc, et toi de même. C'est-à-dire que quand tu invoques pour ton frère, l'ange, qui est un rapproché d'Allah, purifié de péché, il dit Amin. Il dit Amin à ton doha pour ton frère ou ta sœur. Et en plus, il dit Wa'iyak. Et toi aussi. Donc invoquer pour son frère, c'est quoi Invoquer pour soi-même, c'est bien. Mais invoquer pour son frère, c'est la garantie qu'un ange dise « Amin » et qu'en plus, il dise « Et toi aussi ». Il invoque pour toi. C'est une invocation. Oui, « c'est une invocation. Et pour toi aussi, cette chose-là. Donc quoi Maximum, il y a un d'espoir d'être exaucé. Lorsqu'il termine le croyant l'arrestation d'Al-Fatiha, l'ange, il dit « Amin » à son invocation. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, musulman. Hein dit Lorsque le croyant monothéiste qui suit la voix d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa appelle à la prière, lorsqu'il fait l'Aden, bien les anges porteurs du trône ainsi que ceux autour demandent pardon pour lui. Ils demandent pardon pour lui. Et ça, c'est rapporté dans Surah 3 à faire. Quand celui qui fait l'Aden, il le fait, l'exécute, les anges demandent pardon pour lui. Lorsqu'il dort avec l'Odo, lorsqu'il dort, le croyant en état de pureté rituelle, c'est une sunnah de faire l'Odo avant de dormir. Un ange passe la nuit contre lui. Et tu fais dodo avec l'ange, nah, il y a un ange qui est contre toi, qui dort avec toi. Et chaque fois qu'il se lève la nuit, il demande pardon pour lui. Ça c'est rapporté en fait à Donc l'ange du croyant le protège et le défend. Et il le défend. Il lui enseigne aussi. Il enseigne, Il le bien, il le dirige vers la science. Il l'affermit, il hein, lui donne du courage aussi. Et il ne convient donc pas qu'il euh, mal agisse à ses côtés. C'est pas possible. Tu es en présence d'un ange, tu peux pas être roulé dans les ténèbres, dans les crasses, dans les ordures, l'ange va te fuir. C'est pas sa place. Il aime pas ça. Tu fais du rire, l'ange il t'assiste. Oui, il te défend, il t'enseigne, il t'affermit. Maintenant, tu te roules dans la crasse, l'ange te fuit. L'ange te boycotte. L'ange t'abandonne. C'est le démon qui prend le relais. Il y a toujours un compagnon, hein? Mais à voir quel compagnon on va avoir. Je répète, on a toujours de la compagnie, on n'est jamais seul. Bien sûr, il y a Allah subhanahu wa là Mais il y a un ange ou un démon, ça c'est clair. Je pense, j'espère en tout cas, j'ose espérer qu'à proximité de moi, quand je fais le cours, il y a un ange. J'espère. J'espère fortement. Non, mais c'est pas un démon. Mais sûr que si je n'avais pas fait cours et que je m'étais roulé dans les péchés, c'était pas un ange, mais c'était un démon. À méditer, Qu'est-ce qu'on veut comme compagnie On veut quelle compagnie même quand on est seul, hein, on n'est jamais vraiment seul. Donc, l'ange qui vient lui apporter tout ce rire, il ne convient pas qu'on agisse mal à ses côtés. Il convient pas que l'homme lui nuise avec excès et le chasse, car il est l'hôte et son voisin. Si, si le fait d'honorer l'hôte parmi les hommes, on sait, parmi les gens, le fait de l'honorer, l'homme et la bonté envers le voisin compte parmi les implications et conséquences de la foi. C'est rapporté ça, hein. honorer un autre et être bon envers le voisin, ça c'est une branche de la foi. Que dire du fait d'honorer le plus noble des autres et le meilleur des voisins L'ange. Que dire Donc, s'écarter des péchés. Si l'homme nuit à l'ange en commettant différentes formes de péchés, d'injustice et de turpitude, son Seigneur invoque contre lui et dit qu'Allah ne te récompense pas par un bien. Note du traducteur sur cela. De toutes les éditions que nous avons pu consulter donc du livre Le mal et le remède, aucun n'indique de texte authentique étayant cette affirmation, wallahu Donc on restera sur wallahu alem. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand l'homme nuit à l'ange en commettant différentes formes de péché d'injustice et de turpitude, l'ange, hein, euh, euh, le, le, le le boycott et l'homme de toute façon ne sera pas récompensé par un bien de manière générale, ça on le sait, hein puisque celui qui fait des péchés, des injustices et des turpitudes est éloigné du, du rire. Et forcément, s'il n'a pas la présence de l'ange, on revient sur l'idée générale, c'est la présence du démon. Et donc forcément, ce n'est pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon signe. Voilà. Maintenant, de la même manière que s'il l'invoque en sa faveur, au contraire, il l'honore par l'obéissance et la bienfaisance. Un compagnon a dit "Vous accompagne ceux qui ne vous quittent jamais." Alors soyez gênés devant eux et honorez-les, c'est-à-dire les anges. Personne n'est plus blâmable que celui qui n'éprouve pas de pudeur envers le généreux, le vénérable, et ne respecte pas Allah ni ne le révère. Allah a indiqué dans sa parole, surat al-infitar, versets 10 et 12, pardon, dans le sens Alors que des anges gardiens veillent sur vous, de nobles anges qui inscrivent vos faits et gestes et qui savent ce que vous faites. Autrement dit, dit le Cher, et on terminera sur ça. Éprouvez de la gêne, soyez pudiques, gênés devant ces anges, devant ces nobles gardiens, honorez-les, révérez-les, afin euh, qu'ils ne voient pas ce dont vous seriez gênés que vos semblables ne voient. Effectivement, parce que si on avait un hôte et un voisin humain, physiquement comme ça, en place devant nous, est-ce qu'on se comporterait comme on se comporte, c'est-à-dire en termes de désobéissance, de péché, voire même il y a un nid d'injustice, de turpitude, de d'un certain nombre de choses mauvaises. Non, parce qu'on on aurait honte, on serait gêné, le déshonorer et un, euh, cette cette âme là déjà normalement notre âme, mais ces gens là en face. Alors là, on a des anges. On doit, même si c'est du rape, on doit y croire. On a ces anges là à proximité. Comment on va se comporter Comment on va se comporter Gêné ou sans gêne hum Ayez de la gêne donc devant ces nobles gardiens, honorez-les, révérez-les, afin qu'ils ne voient pas ce dont vous seriez gêné que vos semblables ne voient parmi les hommes. Et les anges sont également touchés par ce qui nuit à l'homme. Oui, les anges sont touchés par ce qui nuit à l'homme. Ainsi, si l'homme subit un tort face à celui qui commet des turpitudes et désobéit devant lui, je sais pas, tu... un homme serait choqué de devoir forniquer, ou un homme serait choqué de devoir tuer, ou un homme serait choqué de devoir mentir, na bien l'ange aussi réagit de la même manière. L'homme subit un tort lorsque celui-là commet des turpitudes et désobéit devant lui, même s'il peut agir lui aussi de la sorte. L'homme peut aussi faire ce qu'il va voir, ce qu'il condamne, ce qu'il voit de condamnable. L'être humain euh, pourrait le faire aussi. Personne n'est à l'abri de tomber dans une erreur, dans un dans un drame, dans une dans un vice, dans une turpitude. D'accord Et pourtant. L'homme, il peut être touché par ça et ça lui nuit. Que dire alors du tort causé aux anges euh, nobles, anges scribes, qui eux, sont purs, sans péché, hein, sont dans la, la perfection vis-à-vis -vis de l'obéissance à Allah Ils ne font que de lui obéir à D'accord Un être humain, tu le choquerais de tes péchés alors qu'il est, comme toi, même encore plus mauvais que toi, mais il est choqué quand même par rapport à ce que tu fais. Nah, tu lui nuis avec ta désobéissance. Que dire maintenant de ces anges Ces anges qui notent tes actions, qui rapportent tout à Allah et qui eux sont purs, hein, qui eux sont purs et sans péché, et qui sont touchés par ce que tu fais de mal. N'as-tu pas honte de désobéir devant eux Ne te sens-tu pas gêné euh, de te rouler dans la, dans la, dans la crasse des péchés, euh, devant c'est à côté en tout cas, devant à côté de ces, de ces créatures parfaites. Allah ça mérite méditation encore une fois. Ce dernier paragraphe. Ça mérite méditation. Et c'est une question de foi. Alors qu'Allah nous le dit, les croyants, ce sont ceux qui effectivement accomplissent la salat et acquittent la zakat et qui ont foi au raïb. C'est le début de soir à ta La foi en l'invisible. Croire qu'il y a Shaitan. Croire qu'il y a les anges. Croire qu'il y a Allah, bien sûr. Croire qu'il y a le Jannah et la Jéhane. Croire un certain nombre de choses qu'effectivement, la plupart des gens, notamment même parmi les Kofard ou les musulmans à la fois très faibles, ne croient pas en vérité. Quand je dis musulmans à la fois très faibles, en vérité, s'ils ne croient pas à cela, ils sont exclus de la sphère de l'islam. Quand je dis ne croient pas, c'est ne croient pas fermement. C'est dans ce sens-là. On les sort pas de l'islam, disent croire en Allah au messager au jour dernier, mais en vérité, par rapport à leurs actions et leurs paroles, pas tant que ça en vérité. Pas tant que ça. Des gens doutent en vérité d'un certain nombre de choses. Hein? En tout cas, les kofars. En tête, les kofars qui eux rient de cela et disent qu'il n'y a pas le shaitan, il n'y a pas les anges, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas Allah. tout ça, tout ça, tout ce qu'ils nient, tout ce qu'ils nient. Nous, nous ne sommes pas comme eux. Donc, on doit méditer et croire sur cette, cette notion là hein? et de se dire effectivement devant devant des hommes. Qui, qui qui apparaissent sous nos yeux, on ne se comporterait pas de cette manière-là. Comment on ose se comporter comme ça, euh, alors que les anges nous voient Et au-delà de tout ça, on sait qu'Allah, hein, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Au-delà de ça, comment on ose désobéir au Seigneur des mondes qui a les attributs de perfection Qu'Allah nous raffermisse dans notre foi, qu'Allah nous rende pieux en public, comme en secret, comme en privé. Et voilà pour ce cours. On reprendra en page 151 avec le chapitre 55. Les péchés causent la perte. Puis les péchés amènent l'application des peines légales. il y aura l'explication des châtiments légaux et universels, etc. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam wa ahkam. subhanaka humma wa bihamdik. ash'hadu an ila ila ant. astaghfiruka wa wa tubuleika. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته